tous. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Prions le Seigneur. Que la volonté de Dieu est avec tout puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Saint-Da soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Que la volonté de Dieu est avec tout puissant. Bon de vous rendre grâce en ce dimanche 18 février, l'an 24 du Jésianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambien Pung, tous les dons de nos ancêtres. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô notre puissant du Seigneur, Nsenda par le Code-19. Nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Nkunkurok Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En ce mois de février où le Gise dans le gisianisme célèbre toutes les créatures physiques, les êtres humains, tout ce qui constitue la faune et la flore dans notre humanité, ainsi que toutes les créatures qui existe physiquement dans ce monde injuste et dur, aride d'amour. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette séance de délivrance. La troisième et dernière partie de la séance de délivrance de l'un de nôtres, Tatansana Tanu Jean Bourdin. Que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nseda s'exprime en moi. Amen. Amen. Avant de rentrer dans notre séance de Tatansana, c'est la troisième phase. Logiquement, nous devrions prendre la salle à 10h30. Vu les informations reçues au niveau de notre secrétariat, la séance de délivrance de Tatansana Jean Bourdin a pris une autre dimension, car les découvertes qui ont été faites on dépassait vraiment l'entendement. Voilà pourquoi, vu ce qui va se passer aujourd'hui, nous avons préféré prendre la salle à 9h30 pour que nous soyons à mesure de boucler la séance de Tatansana aujourd'hui. Il y a l'un de nos ici qui nous dit toujours, nous tous nous passerons à la balance. Ici, c'est une église du jugement. Nous sommes une église qui est venue exécuter le jugement dernier des vivants et les morts. L'humanité doit vivre ça. Ça ne doit pas passer comme ça, inaperçu, ou que ce soit quelque chose d'abstrait. Non, il faut que les hommes sur terre constatent et se rendent compte que c'est vraiment le jugement des vivants et des morts qui s'exécute dans le Gise. Voilà pourquoi on dit le Gise, c'est une église du jugement. Nous rentrons dans la vie privée de chaque être humain sur terre. Nous tous, nous sommes passés à la balance. En commençant par nous-mêmes. Tu ne peux pas aller présider ou diriger une assemblée telle que le Gise sans que tu sois passé à la balance toi-même. Nous sommes tous des victimes des hommes méchants de ce monde injuste et dur qui sont vraiment majoritaires sur terre. Les hommes mauvais sont majoritaires à 99,99%. Donc nous sommes tous des victimes, chacun à son niveau. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est le tour de Tatansana. Ça c'est le troisième dimanche que nous sommes dans sa séance.
Nous sommes rentrés dans la vie. On dit, si nous rentrons dans votre vie privée, il n'y a plus de secret. En commençant de vos origines, l'esprit qui vous abrite, qui a fait que vous vivez sur terre, et ce que vous avez commencé à faire dès que vous êtes né, et à partir de l'âge de 10 ans. Parce que c'est à partir de l'âge de 10 ans qu'on devient responsable devant Dieu et devant les hommes, tes fautes sont maintenant comptées. Parce qu'il y a maintenant une prise de conscience à un certain niveau. Quand tu vas à la maternelle, on dit tu as la maternelle, hein, mais quand tu commences à l'école élémentaire, les choses sérieuses commencent. Donc chacun a son niveau. Aujourd'hui, c'est le tour de Tatanza. Voilà pourquoi Mutamatsua, conscient de ce qui se passe, ce qui s'était passé dans la vie de Tatanzana, est venu tirer la sonnette d'alarme. Ne te moque pas de l'autre qui est malade aujourd'hui ou qui est dans une mauvaise situation à l'instant. Mais parce que tu ne sais pas de quoi est fait le long demain. Le long ya yo lobia nga mokili tunatu. Matondo mutamatsua, notre Père. Mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal et surtout du malin et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Se coucher la nuit dépend de nous-mêmes. Car c'est nous-mêmes qui décidons l'heure d'aller au lit pour se coucher. Mais le réveil ne dépend pas de nous. Soyons heureux d'être comptés encore parmi les vivants de ce monde injuste et dur. Que Dieu Yahvé, le Père Céleste, le Nzambe pour tous les noms de nos ancêtres, soit béni à jamais dans nos vies. Au nom du Seigneur Nsenda, notre Dieu et Sauveur, source de notre bénédiction, ogise par la puissance du Dieu Yahvé de nos ancêtres, qui est au-dessus de tout, le seul bon qui a bien fait toutes choses. Ce Dieu Yahvé, le Père Créateur, qui veut que toutes ses créatures soient comblées de ses bénédictions, et qui a décidé par son amour ineffable de relever la race noire, la première race créée sur terre. Par la promesse qu'il avait faite à nos ancêtres, Kongonsi Lulu, le Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Il est mieux que je m'en aille pour que je prie le Père de vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Tout ce qu'il aura reçu, lui, l'Esprit de vérité, il l'aura reçu de moi. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de moi, il ne parlera pas de lui, pardon. Mais il ne parlera que de moi, parce que tout ce qu'il aura reçu, il l'aura reçu de moi. Aujourd'hui, cela s'est accompli. Le Rédempteur est arrivé. Comme un voleur, comme l'avait dit le Christ, je reviendrai comme un voleur. Nul ne sait quand le voleur décide de venir dérober dans sa maison. Ce qui arrivera lors de l'avènement du Fils de l'homme, ça sera comme au temps de Noé. Pendant que les gens croyaient atteindre le progrès, l'évolution,
pendant que l'homme parlera au-delà des frontières, c'est en ce moment-là qu'arrivera le Fils de l'homme. Cela s'est accompli. Il est arrivé, le Rédempteur, et il a bâti le gisre. Cette église qui est le chemin, la vérité et la vie dans ce nouveau monde et dans notre humanité. Bénissons cet Eloya, El Shadian, El Shadian Ivan, Yann Iedjevan qui a pris corps. Seigneur, on s'énerve de ton nouveau, le code 19 qui est venu nous sauver. Nous qui fréquentons le Gis, nous sommes vraiment en train de comprendre qu'il est vraiment venu nous sauver. Si le Gis n'était pas arrivé, qu'est-ce que nous serions devenus? Nous allons encore le comprendre pendant cette séance de Tatansanantandu, Jean-Paul. Bénissons le Seigneur en Seigneur. Prie.
Seigneur céda, vous notre Dieu, le code 19. Nous vous supplions par votre force et puissance et votre amour ineffable de nous pardonner tous nos péchés, car nous sommes des pécheurs indignes. Lavez-nous du sang de l'agneau, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par son sang qui a coulé au mont Golgotha, ce sang qui nous sert pour la rémission de nos péchés, soit déversé sur nous tous ici réunis autour de ta Tansana, dans nous, Jean Bourdin. Purifiez-nous de nos fautes. Nous reconnaissons notre état de pécheur. Seigneur Nseda, ne regardez pas nos péchés, mais regardez seulement la foi, l'espérance et l'amour que nous avons dans notre Jésus, et surtout l'amour dont nous avons tous fait preuve autour de ta Tansana, ta Nujan. Dieu Nseda, l'extra souverain, pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Chorale 5, Mbam Simon, le Natakou Sabre. Ya, 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 Doro Koro. Pardonnez-nous tous, en commençant par ta Tansana, ta Nujan Bourdin. Nous sommes des êtres humains, sujets à l'erreur. Écoutez nos pleurs, nos supplications en faveur de ta Tansana, ta Nujan Bourdin. En son nom, nous tous ici réunis, nous vous prions d'avoir compassion à cette créature divine, ta Tansana, ta Nujan Bourdin. Mutasa Congo, Biba Bia Congo, Banka Kazeto, Biba Bia Jizo, Weno Bisambu Bieto, Nkunguza Mfumu Nseda, Tusariseno,
Tunia qui c'est no. Tu ba qui c'est no. Tu samirile no pe. Mon kumbu ya ta tan san antandu Jean Bourdin. Tu vous cassez be tu ba bonsoir. Salut ya shingana. Ta tan san antandu Jean Bourdin. Katambla lu salusu. Wam pv. Nagi suni. Nyoso myakanga ma mushingu chawu. Nyoso mibayirika. Tata santu matua kutukanda. Tata santu kardinal yenan tuari shiri kungu ya shizo. Tata samo senyor kungu lutama tuari san kungu. Nankangu wa oso wambuta. Weno njinga zeto. Salucha Toma. Tanzana katachimbangi na mnyoso mikamone menjitukulu misobe sa jingu tiandi antoto boba abansoni bashiri chinchete mutoko ya udi kukanda boba tata bamusenti bandiku na boba abansoni bakamu na nabo antoto bamuturi munjila zambi. Bamu wunini mubuneke bwandi mfumo matsua ebula tutela mizeno bala mukese mama wa ndombi bimangulu muna bubunguti muntu wa shinuku shimbiridyo mfumo matsua lomele mubushitu bwa bene muta muntu nikuba kunchamamba nikuba kumafua. Nuku ba muntote uwa moyo. Boba abansoni ibe munitu ya tatan sana. Bazabakana. E bazibulami bakanga. Mutoko yaudi. Que toutes les alliances soient aujourd'hui bannies. Et rendues caduques. Par la puissance du Seigneur Nsenda. Notre Dieu et Sauveur. Le code 19. Prions. Hey, man.
pèlerinage du GIS qui est prévu pour le Congo, plus précisément dans la nouvelle ville Sainte Jérusalem Céleste, le Congo Pointe-Noire, où se situe la dernière demeure du guide du GIS pour 2026, été 2026. Que ceux qui veulent se rendre à Brazzaville puis à Pointe-Noire pour ce projet, honorer notre Dieu, présenter après 7 ans de la naissance du GIS en France, le travail que nous avons tous accompli, vous et nous. N'oubliez pas, la Bible nous enseigne. Il y a un maître qui avait donné des deniers à ses disciples. Chacun avait un prix. Il y en a qui étaient arrivés à 6 heures, il y en a qui étaient arrivés à 9 heures, à 10 heures, à 12 heures. Ils avaient tous reçu le même montant. Donc, ceux qui veulent participer à ce pèlerinage, il faut se faire enregistrer auprès de Papa Seyid Tata ou Tata Mkodia. C'est eux qui enregistrent ceux qui veulent aller au pèlerinage. Comment nous avons prévu pour que ce soit une réussite? Au deuxième semestre, nous pensons, de cette année, nous allons commencer un ristour à raison de 100 euros par participant. Si nous sommes 20, chacun va prendre 2000. 2000, quand tu donnes tes 2000, quand tu as 2000 euros, par exemple, c'est Tata Kodja qui prend, Tata Kodja, tes 2000 euros sont là. On enlève le billet aller-retour. Si le billet est 1500, même 1500 de côté, Tata Kodja va être 500 euros. Le billet de Brazzaville Pointe-Noire et le séjour, l'alimentation, le déplacement, ça nous coûterait par exemple 400-300 euros. On regarde le nombre de participants. On enlève ce qui revient et le reste, on lui remet. Comme son argent de poche. Donc, ceux qui veulent participer avant que la liste soit bouclée, dès le mois de juin, on va boucler les listes parce qu'il faut déjà commencer. C'est le mois de juin, non? Pour commencer notre ristour. Donc, il faut se faire enregistrer. Même les enfants doivent participer au ristour, il faut payer leur billet. Celui qui voit que je vais aller avec mes enfants, bientôt tu es dans mon jaja, on peut sortir le rural. C'est seulement une organisation de tous. Voilà le problème. Le deuxième problème, ceux qui doivent les foulards, pensez-y à payer les dettes. Que Tata Kunku aide Tata Nathan, Mankesi Songi, pour la réception des médailles, le rendez-vous est pour le mois d'avril. Tata Kunku, c'est le cas pour nous, Tata Nathan, Tata Lendele Maton, Pere Kokanani, médaille, mais Bala, c'était combien de médailles? 6. Amen. Amen. Prions le Seigneur, Dieu avec tout puissant, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père, faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est de votre Fils, votre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19, que la lumière et la bénédiction de notre Dieu vivant, le Seigneur, c'est de vous habite tous, maintenant et pour les siècles des siècles. Allons dans la paix du Seigneur Nseida. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci. Dimanche prochain, messe des créatures physiques, nous prierons pour ceux qui ont payé leur dîme.